Merci à vous. Allez, je vous présente les musiciens qui me font le plaisir, l'honneur de m'accompagner. Ce soir, comme de nombreux soirs et puis depuis très longtemps, je ne sais jamais par lequel commencer. Peut-être ce garçon-là qui joue de la guitare ou des guitares, hein, parce qu'il joue de la guitare 6 cordes et 12 cordes, monsieur Cyril Morin. Un garçon qui a l'air très sage derrière ses partitions avec un beau violoncelle. Méfiez-vous des apparences, il n'est pas si sage que ça. En tout cas, il a beaucoup de talent. Il s'appelle Julien Grattard. Je ne peux jamais le regarder pendant le concert. Je sais que parfois il fait le piltre, mais vous allez quand même l'applaudir, et peut-être même deux fois plus, parce qu'il joue de la basse et chante. Monsieur Pascal Boucaud. Il est un peu surélevé par rapport à nous. Bon. Il a beaucoup de mérite d'être ici ce soir. Il y a 3 jours, il était à l'autre bout du monde, pas au Japon, mais de l'autre côté, en Amérique du Sud. Il a bien failli ne jamais arriver jusqu'ici. Il a pris 14 moyens de transport différents pour être avec nous. Aux percussions, monsieur Christophe Pio. Merci beaucoup. Et puis j'ai 2 personnes à remercier encore. Ce n'est pas des musiciens. En tout cas, ils ne sont pas sur scène, mais ils sont très précieux pour nous. Ce soir, au son, alors c'était plutôt de votre côté que ça se passait, il y avait monsieur Simon Cabi. Et le plus précieux dans un groupe, en fait, ce n'est pas les musiciens, c'est le régisseur, celui qui fait que partout où on va, on se sent comme chez nous, et qui installe tout, et qui fait en sorte qu'on se sente bien. Ce soir, il était en plus aux Lumières, monsieur Jonathan Cesaroni. Il est caché par là aussi.